Bonjour, je suis actuellement devant le bureau de la direction de la société Université Sopinfo et afin de dénoncer le racisme malhonnête. En effet, Sopinfo Université ne paie simplement pas à l'heure des professeurs et ne rembourse pas les élèves qui ont eu des problèmes avec eux. Après avoir mené une campagne sur Internet afin d'obtenir de l'aide, j'ai reçu des dizaines de témoignages d'étudiants et de professeurs, certains qui attendent depuis 5 ans d'être payés ou remboursés. C'est une situation malheureusement bien connue dans le petit milieu de l'enseignement privé. J'ai récemment reçu un versement avec 8 mois de retard après une intense et constante pression en ligne. Ce qui est le plus révoltant, c'est que je suis un des professeurs les plus chanceux. Mais j'ai également réalisé que personne n'était surpris par leur comportement et que par conséquent, il fait avec toute impunité, en toute impunité, ouais. Ce mépris pour les lois, pour le travail d'autrui doit cesser. Les étudiants ne peuvent pas suivre le cours avec les situés dans un environnement sans professeur stable et fiable, ou une école qui ne paie pas ses employés ne peut pas espérer de garder et garantir l'enseignement des qualités à ses étudiants. Je suis auto-entrepreneur, donc j'ai très peu d'options de record. Mais j'ai une voix et grâce à l'Internet, cette voix peut être entendue. Sopinfo Université a l'opportunité d'enrichir la vie, enrichir la vie de beaucoup de monde, mais il ne fait pas. Ce n'est pas normal que ça se fasse au détriment du travail des autres. Une université qui ne paie pas son loyer et ferme son investissement comme à Bordeaux et les autres, ne paie pas les salaires à l'heure, ne paie traiter à la légère de sujets aussi importants. Pensez-vous que la direction de cet établissement donne comme importance au savoir? Le plus triste, c'est que cette école est pleine d'étudiants incroyables qui pourraient espérer bien plus. Et des étudiants incroyables. Vraiment, j'ai bien aimé le travail. C'est dommage. Je souhaite que Sopinfo Université ouvre le dialogue afin de finir avec cette situation. Je mets tout en œuvre pour qu'il paye aux enseignants qui doivent avoir une compensation financière pour le retard. J'attends également qu'ils remboursent les étudiants. Je veux les forcer à ouvrir les yeux et accepter leurs responsabilités. Merci. Merci.